bon. Alors, c'est parti. Bonsoir à tous et puis bienvenue pour cette remote class WebRTC. Donc, on va parler de WebRTC avec Stéphane, organisé par Zenica. Donc, en cette période un peu particulière, on continue d'animer des événements techniques en remote. Pour ceux qui ne connaissent pas Zenica, deux mots très très rapidement. Après, je vais laisser Stéphane parler. Donc, on est une ESN où on intervient surtout sur des missions de réalisation, de conseil et puis de la formation. Puis en cette période-là, on continue de faire de la formation en remote. On a un catalogue qui est bien fourni sur des sujets DevOps, data, intelligence artificielle, web, etc. Donc voilà, je vais pas parler beaucoup plus que ça. Je vais laisser Stéphane prendre la parole et puis vous faire sa présentation. Vous pouvez poser vos questions dans le chat et Stéphane les prendra à la fin de sa présentation. Juste à noter qu'il y a un tout petit décalage entre le temps où vous poserez votre question et le temps où nous on la verra et on pourra y répondre. Bonne présentation et je vous laisse avec Stéphane. Merci Anthony. Je voulais aussi dire merci à Johan qui s'occupe de la régie, que vous verrez pas, vous entendrez pas, mais qui fait un super boulot pour moi. Ce soir, on va parler de WebRTC. En particulier, on va s'intéresser à la technologie telle qu'elle existe et aussi aux problématiques de déploiement de WebRTC sur Internet, savoir un petit peu ce qui est important, qui se passe pas dans le navigateur, qui se passe sur le réseau, qu'il faut aussi mettre en jeu pour que ça fonctionne correctement. Je m'appelle Stéphane Alné. Vous pouvez trouver mes informations sur GitHub, sur GitLab, avec le handle Shimaoré. Ça fait une vingtaine d'années que je fais l'informatique professionnellement. J'ai travaillé dans le système, j'ai travaillé dans le réseau. J'ai travaillé pour Cisco Systèmes aux États-Unis et depuis 2007, j'ai travaillé avec des opérateurs aux États-Unis et en France, en particulier avec les technologies SIP, des produits comme FreeSwitch et OpenSwitch. Et je suis particulièrement actif dans le monde de l'open source. Vous pouvez voir en avant mon GitHub ou sur GitHub. Voilà, donc le plan de la présentation, on va déjà présenter un petit peu WebRTC, à quoi sert la technologie, comment est-ce qu'on la met en jeu dans le navigateur. Et puis après, je dirais un petit peu la partie, en tout cas pour moi, la plus intéressante, c'est effectivement la partie comment est-ce qu'on le déploie, comment est-ce qu'on fait pour que ça fonctionne réellement de bout en bout. Donc WebRTC. Alors WebRTC, c'est une technologie qui n'est pas nécessairement très très récente. C'est une technologie qui maintenant a une petite demi-douzaine d'années, qui est utilisée, que vous utilisez toujours, qu'on utilise aujourd'hui. C'est ce type de technologie qui permet des choses comme Google Hangout, Google Meet, Facebook Messenger, etc. Tout cela utilise donc WebRTC, donc une technologie qui est dans le navigateur et qui permet de faire deux choses essentiellement, qui permet de faire de la capture de médias et qui permet de faire de la communication en pair à pair. On va déjà parler de la partie capture de médias, voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, capture de médias, ça veut dire trois choses au niveau du navigateur. Ça veut dire qu'on va pouvoir obtenir les données qui sont envoyées par une caméra, données envoyées qui sont capturées par des microphones et qu'on peut donc rejouer dans les haut-parleurs d'un autre ordinateur. Et ça permet aussi de faire de la capture d'écran, de faire du streaming d'écran en temps réel. Alors, comment est-ce que ça s'utilise en JavaScript dans le navigateur? Il y a un objet qui a été introduit par WebRTC qui s'appelle Media Devices, qui permet deux fonctions importantes. La première, c'est d'obtenir les médias de l'utilisateur. Donc, Get User Media, c'est ce qui permet de gérer la partie, je dirais, caméra et microphone. Donc, ce sont les médias temps réel auxquels on est habitué quand on fait de la visioconférence, des choses comme ça. Et il y a aussi donc un mediadevices.getDisplayMedia qui permet, lui, de récupérer cette fois-ci les informations sur le partage d'écran. Donc, que ce soit du partage plein écran ou que ce soit du partage en mode fenêtre. C'est assez classique. Donc, typiquement, comment ça s'utilise? On va demander à GetUserMedia, alors avec un certain nombre de contraintes, qui sont des choses comme, par exemple, on peut dire « je veux faire que de l'audio » ou « je veux faire que de la vidéo » ou je veux faire de la petite vidéo ou de la vidéo avec de la qualité supérieure. Donc, GetUserMedia prend ces paramètres et va nous retrouver un stream local sur lequel on va pouvoir énumérer les pistes qui sont disponibles. Donc, les pistes qui sont disponibles, typiquement, si vous avez demandé que de l'audio, il y aura une piste audio. Si vous avez demandé de l'audio et de la vidéo, il y aura deux pistes. Il y aura une piste audio et une piste vidéo. Donc, GetTracks fait cette partie-là. Après, si on veut rejouer la vidéo en local,
Vous pouvez utiliser le tag vidéo avec ses paramètres autoplay, donc pour démarrer automatiquement la vidéo. Blazing Line pour dire que ça va uniquement se faire à l'intérieur de la petite fenêtre DOM qui est allouée. Et puis en général, on enlève les contrôles parce que bon, sur un flux en live, c'est pas très très intéressant de pouvoir aller en arrière, il se passe rien en fait. Et typiquement, une fois donc on aura obtenu avec donc Get User Media, le Media Stream, on l'affectera à cet objet DOM en utilisant l'attribut source object. Voilà, donc là, ça vous permet de construire en local, par exemple, typiquement dans un navigateur web, en quelques lignes, quelque chose qui vous permet de vous voir en local dans votre navigateur. Donc ça, c'était la partie capture de médias. Donc tout ça a été introduit en même temps que WebRTC, parce qu'il y en avait besoin pour WebRTC. La partie qui est réellement intéressante dans WebRTC, c'est toute la partie pair-à-pair, donc le P2P. Cette partie-là, on utilise pour ça un nouvel objet qui s'appelle RTC Peer Connection, donc Real-Time Control Peer Connection. Et il y a un attribut en particulier dans la configuration Peer Connection qui s'appelle ICE Servers, sur lequel on reviendra en détail après. Je vous expliquerai pourquoi cet attribut-là est extrêmement important. Mais en gros, New RTC Peer Connection va vous retourner une connexion que vous pouvez utiliser dans le navigateur pour dialoguer avec un autre ordinateur. Donc, typiquement, après, comment ça s'utilise? Donc, on va prendre le cas de deux ordinateurs A et B qui essayent de communiquer entre eux. Donc, le peer connection qu'on a créé sur l'objet A s'appelle PCA, évidemment, celui qu'on aura créé sur l'ordinateur B s'appelle PCB. Pour l'instant, on va s'occuper à, bon, l'ordinateur A essaye de créer une connexion avec l'ordinateur B, comment est-ce que ça se passe? Alors, il va utiliser la méthode createOffer qui va renvoyer un objet offer que lui va devoir envoyer à l'ordinateur B. Donc, cette offre, cette proposition d'échanger avec l'ordinateur B, il faudra qu'elle arrive d'une façon ou d'une autre à l'ordinateur B. On viendra chercher un peu plus tard. À partir de ce moment-là, l'ordinateur A a fait en gros ce qu'il avait à faire pour l'instant. Ce qu'il peut faire aussi, c'est ajouter donc cette offre à ces descriptions locales qui va lui permettre à lui de commencer à négocier les paramètres de la connexion multimédia, si vous voulez, avec l'ordinateur B. Donc là, de nouveau, il y a des événements qui vont être émis en local qu'il faut aussi transmettre à l'ordinateur B. Donc dans la première partie de l'initialisation, il y a deux événements qu'il faut transmettre. C'est l'offre qui est au tout début. Et après, les IC candidates qui sont créés au fur et à mesure, donc qui vont aller de l'ordinateur A à l'ordinateur B. On se place maintenant du point de vue de l'ordinateur B. Donc, si vous vous souvenez, dans la slide précédente, il avait reçu un message offer. Ce qu'il va en faire, c'est qu'il va tout simplement le mettre, si vous vous souvenez sur la slide précédente, on a mis un set local description. Ici, on va faire un set remote description sur l'ordinateur B. Donc, pour dire à l'ordinateur B, ben, on veut parler avec l'ordinateur A. Et inversement, l'ordinateur B va utiliser create answer. Donc, on avait fait un create offer sur la slide précédente. Cette fois-ci, on fait un create answer. Et il faut qu'il retransmette, pareil, l'answer à l'ordinateur A. À partir du moment où on a fait l'échange entre offre et answer, on a établi une connexion au niveau WebRTC. Et donc, en fait, il y a une session qui a été ouverte entre les deux ordinateurs. Et puis pareil, là, sur la slide précédente, on avait un set local description avec l'offre sur l'ordinateur A. Sur l'ordinateur B, on va faire un set local description avec la réponse. Et pareil, l'ordinateur B va commencer donc sur le peer connection, va commencer à mettre des événements ICE candidate. Et c'est pareil, il va falloir les faire parvenir d'une façon ou d'une autre à l'ordinateur A. Voilà. Et une fois que troisième étape, l'ordinateur A, donc sur la slide précédente, l'ordinateur B avait envoyé un message answer à l'ordinateur A, c'est pareil. L'ordinateur A, lui, va utiliser cette réponse pour indiquer que eh bien, c'est cet objet-là avec lequel on communique. Donc, je reprends le flux depuis le début. On a fait une offre sur l'ordinateur A, on l'a utilisée comme local description. On a reçu l'offre sur l'ordinateur B, on l'a mis comme remote description, donc description à distance. Et inversement, sur l'ordinateur B, on a fait une réponse. On l'utilise comme description locale. L'ordinateur A, lui, l'utilise comme description remote. Et enfin, une fois qu'on a tout ça, il faut qu'on puisse ajouter
le flux qui nous intéresse dans le Peer Connection. Pour l'instant, on a établi la session, en fait, mais il ne se passe pas grand-chose parce qu'on n'a pas encore créé de flux à l'intérieur de cette session. C'est la méthode AdTrack qui a permis de faire ça. Si vous vous souvenez, il y a quelques slides, quand j'avais introduit GetUserMedia, je vous avais parlé de GetTrack, c'est cette track audio locale et l'envoyer à l'ordinateur distant. On fait ça sur PCA, on fait ça sur PCB, et du coup, à partir de là, on a une session audio et vidéo qui fonctionne dans les deux sens. Et évidemment, ça se passe pareil quand on reçoit les tracks à distance. On va redonner à l'objet vidéo, donc à l'objet DOM vidéo qu'on avait créé au début. Donc, on va le mettre comme source object, par contre, le remote stream. Et à chaque fois qu'on reçoit un événement track du peer connection, donc en fait, on va pouvoir ajouter les tracks qu'on reçoit de cette façon-là à l'objet vidéo. Donc maintenant, typiquement, dans ce qu'on a établi, on a deux objets vidéo. On a un objet vidéo qui représente votre flux local, vous voyez vous en local, un autre objet vidéo qui, lui, a le remote stream, donc le flux à distance. Sur PCA, on voit en local et on voit le flux qu'on reçoit de PCB. Et sur PCB, c'est l'inverse, on a un flux local et on a un flux qu'on reçoit de PCA. Alors, ça, c'était pour la partie faire de les microphones, les haut-parleurs, faire de la vidéo, tout ça. Alors, il se trouve, évidemment, comme je vous avais dit aussi, qu'on peut faire toute une partie data. Pour la data, c'est beaucoup plus simple. On va pouvoir utiliser quelque chose qui s'appelle Create Data Channel, auquel on donne un nom. Et à partir de là, on n'a pas besoin de faire tout le processus avec AdTrack, etc., parce qu'en fait, un data channel est un objet qui est beaucoup plus simple, en fait, avoir un composant vidéo ou un composant audio. Sur les objets donc data channel, on retrouve des choses qui sont relativement classiques si vous avez déjà utilisé des choses comme WebSocket ou comme Socket.io. Sauf que là, évidemment, on n'est pas dans une connexion qui est établie via un serveur, on est dans une connexion de données qui est établie directement de point à point entre deux ordinateurs. Donc, totalement encrypté, totalement géré par WebRTC sans avoir de serveur. On a des événements open, close, quand la connexion est ouverte ou fermée. Et à chaque fois que l'ordinateur à l'autre bout envoie un message, on a un événement message qui est reçu. Et inversement, pour envoyer un message, on fait juste send sur l'objet PC, donc le peer connection. Et à partir de ce moment-là, on est capable d'envoyer des messages à l'autre ordinateur sans utiliser de serveur. Donc ça c'était une vue d'ensemble de WebRTC sur ce qu'il est capable de faire. Donc on a fait le tour, on sait faire de l'audio, de la vidéo, on sait faire du partage d'écran, on sait faire de l'échange de données, donc par exemple faire du chat si on veut le faire, ou faire des choses plus complexes. Il y a des gens qui utilisent WebRTC pour faire par exemple de la synchronisation de bases de données déconnectées. En particulier, je pense à PouchDB qui est capable de faire comme ça de la synchronisation de données déconnectées. Et tout ça, en fait, utilise en dessous des protocoles qui sont beaucoup plus anciens que WebRTC, et en particulier un protocole qui s'appelle SDP, Session Description Protocol, dont je vais vous parler un petit peu maintenant, parce qu'il amène des contraintes au niveau technique. C'est lui qui a géré les contraintes au niveau technique. Et donc, en fait, tout à l'heure, quand je vous parlais d'offres et de réponses, de offer et de answer, ce que ces objets-là représentent, en fait, ce sont des objets de Session Description Protocol. Donc, SDP, c'est une RFC qui est relativement ancienne. Elle a été mise à jour. La dernière version, c'est la 4566. Et du SDP, ça ressemble à ça. Donc, c'est du texte. On utilise des spécifications IETF, donc elles sont en texte et non pas en binaire, ce qui est très bien. Mais ça reste quand même relativement complexe. Je ne pense pas que nécessairement vous voyez tous les détails. Les parties qui sont intéressantes, c'est que vous allez voir en particulier qu'il y a des adresses IP à l'intérieur, il y a des numéros de port. Il y a toute une section sur Candidate sur laquelle on va revenir. Et puis, par exemple, vous voyez une qui dit Send Receive, c'est-à-dire que la connexion est établie dans les deux sens, etc. Donc, il y a plein d'informations dans le SDP qui donnent en fait les informations sur quel type de session est en cours. Si vous voyez en plein milieu, il y a marqué WebRTC-Data Channel, c'est-à-dire que quand j'ai pris cet exemple-là, c'était parce que j'avais testé un Data Channel entre deux PC. Alors, évidemment, on va pas faire le travail directement sur toutes ces interfaces-là en utilisant nécessairement les API de base. Il y a des API plus simples qui permettent d'établir ça plus simplement, de façon plus rapide. En particulier, je pense à Simple Peer. Et il y a aussi PeerJS qui sont donc deux API que vous pouvez utiliser dans le navigateur
pour simplifier ces interactions, PeerJS offre aussi un serveur de signalisation. Une autre utilisation typique dont je vous ai parlé, c'est PouchDB over WebRTC, qui s'appelle PeerPouch, qui permet de faire de la synchronisation donc avec des bases de données qui sont modélisées sur le modèle de CouchDB. PeerPouch est lui capable de faire de la synchronisation, cette fois-ci, non pas entre un navigateur et un serveur CouchDB, mais de faire de la synchronisation de données entre deux navigateurs, donc en pair à pair, sans utiliser de serveur, uniquement en passant par des canaux encryptés via WebRTC. Ça, c'était la partie facile. C'était la partie facile dans le sens où c'est la partie qui est dans le navigateur, c'est la partie qui est bien documentée et c'est la partie pour laquelle c'est relativement facile de trouver des exemples. La partie qui est un petit peu plus difficile, et dont on va parler maintenant, c'est la partie déploiement. Donc c'est la partie, bon, on a commencé à écrire une application, les exemples marchent bien en local, mais quand on commence à aller sur l'Internet, à faire des essais à distance, les choses se passent plus ou moins Alors, la première partie qui n'est pas nécessairement évidente et qui est un peu cachée dans mes exemples, c'est que vous m'avez vu dire, on va envoyer des messages de A vers B, de B vers A, etc. WebRTC s'occupe du médium, et WebRTC ne s'occupe pas de la signalisation. Alors la signalisation, c'est un concept qui est très ancien dans le monde des télécoms, et qui est effectivement un différent du concept de média. La signalisation, c'est ce qui permet à deux éléments d'entrer en communication. Et WebRTC ne règle pas ce problème-là. Donc WebRTC va fournir le média, mais pas la signalisation. La signalisation, à quoi elle sert? Alors, il y a deux parties essentielles. La première partie, c'est la partie registrar, c'est-à-dire savoir qui est où. Par exemple, si je veux appeler quelqu'un à l'autre bout du monde, je ne connais pas nécessairement son IP adresse, son adresse IP, je ne sais pas exactement comment le joindre. Le travail du registrar, c'est d'être capable de dire à un point A et à un point B, bah, vous êtes l'un et l'autre, ici et là, et je suis capable de vous mettre en relation. Donc, il y a cette fonction de registrar qui permet au navigateur, en fait, plus précisément à votre application de navigateur, donc de s'enregistrer auprès du registrar pour que d'autres navigateurs puissent la trouver. Et puis, il y a évidemment toute la partie que j'ai décrite précédemment qui est faire passer les messages de A à B et de B à A pour que la session puisse être mise en route. Voilà. Donc, on a vu déjà un petit peu quels étaient les éléments dans WebRTC. Il faut que le serveur qui va gérer le démarrage de session soit capable de faire l'échange des messages offer, answer et des candidats ICE. Qu'est-ce qu'on utilise pour ça? Alors, typiquement, les gens utiliseront WebSocket, Socket.io, PeerJS, dont j'ai déjà parlé. Donc ça, ce sont des éléments qui permettent de faire de la mise en relation, je dirais, donc toute la partie de la signalisation qui est indispensable pour que WebRTC se mette en route. Maintenant, on peut aussi, c'est la partie qui est un petit peu intéressante avec WebRTC dans les applications, en particulier en entreprise, on peut aussi déployer WebRTC au-delà du web, et donc au-delà des applications qu'on peut imaginer à travers le web ou sur les mobiles. On peut en particulier interfacer WebRTC avec un protocole dont j'ai déjà parlé quand je me suis présenté, qui s'appelle SIP, Session Initiation Protocol, qui est utilisé de façon très très intensive aujourd'hui, que ce soit aussi bien pour la signalisation dans les réseaux téléphoniques 4G ou dans les réseaux physiques. Aujourd'hui, si vous avez une box à la maison, qu'elle soit fibre ou qu'elle soit en cuivre, elle va utiliser le protocole SIP pour faire fonctionner le téléphone que vous brancherez derrière. Donc, il y a une version de SIP qui a été spécifiée pour fonctionner sur WebSocket, c'est RFC 7118. Cette version de SIP, c'est du SIP normal. Elle est implémentée sur WebSocket, mais surtout, c'est cette implémentation-là qui est standardisée et qui permet en fait de créer donc des clients dans le navigateur qui sont capables de parler avec des serveurs. Donc typiquement des serveurs qui peuvent être de grosses capacités, des systèmes qui peuvent gérer des appels pour des opérateurs ou pour des grandes entreprises à partir du navigateur directement. Donc il y a deux stacks importantes, jsstip.net, c'est la stack qui est la première, a été codée entièrement avec cette spécification. SIPJS, c'est un fork qui est plus récent, qui est un peu plus à jour. Les deux se valent, les API sont un petit peu différentes, mais les deux fonctionnent très bien.
Sur le back-end, on utilisera des technologies, en particulier pour moi qui viens du monde de l'open source, comme OpenSIPS et comme FreeSwitch, qui supportent tous les deux SIPS sur WebSocket et qui donc permettent de gérer les deux fonctions dont je parlais, à savoir le registrar, donc savoir qui est où et comment les mettre en relation, et donc faire en eux-mêmes cette mise en relation. La partie importante sur laquelle il faut insister, c'est que ces serveurs-là sont évidemment capables d'aller au-delà de la mise en relation pair à pair. Ils sont aussi capables, puisque SIP étant intégré sur WebSocket, ils sont aussi capables du coup d'offrir des services supplémentaires, en particulier FreeSwitch par exemple, permet par exemple de faire de la conférence audio et vidéo avec plusieurs endpoints en WebRTC, qui permet donc de donner des applications qui sont vraiment très très riches, plus que du pair à pair. Voilà, donc ça c'était la partie un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment est-ce qu'on peut le pousser un petit peu. Maintenant je vais vous parler des problématiques de déploiement qui sont liées en particulier avec NAT, qui sont liées à NAT et qui sont liées aussi aux problématiques de conversion de protocole. Alors il y a trois problématiques principales. La première, donc NAT, c'est Network Address Translation. C'est un problème c'est une problématique qui se présente en particulier sur les réseaux IPv4 à IPv4 à cause de tout ce qui est lié à la déplétion à la fin de la disponibilité d'adresse IPv4. Les problématiques de conversion, typiquement, c'est j'ai un navigateur qui fait du WebRTC mais qui sait faire que de l'IPv4. De l'autre côté, j'ai un navigateur qui sait faire du WebRTC mais qui sait faire que de l'IPv6. Ils vont pas être capables de parler. Et typiquement aussi, ça va être des problématiques de pare-feu avec filtrage UDP. Donc, des pare-feux qui sont configurés pour filtrer. Ça se trouve très quotidien, très normal en entreprise de trouver des pare-feux qui font du filtrage et des choses comme ça. Du coup, Network Address Translation, donc c'est une problématique qui se présente quand on a plusieurs adresses privées. Les adresses privées, donc c'est un concept qui a été introduit par RFC 1918, donc c'est une très 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 vieille RFC. Et ce sont des adresses que vous trouvez tous les jours. Si vous regardez les adresses que vous avez sur votre réseau local à la maison, derrière votre box ADSL ou votre box fibre, vous aurez sans doute une adresse qui commence par 192, 168, quelque chose. Et c'est une adresse privée au sens de l'Internet, c'est-à-dire que c'est une adresse qui existe à plusieurs endroits simultanément sur l'Internet. Donc, c'est une adresse qui n'est pas joignable de façon unique sur l'Internet. Et typiquement, ce qui se passe, c'est qu'elles sont cachées derrière une seule adresse IP publique. Et dans ce cas-là, c'est votre routeur, votre modem ADSL qui fournit cette traduction donc des adresses privées vers les adresses publiques pour que vous puissiez accéder à l'Internet. Une façon qui avait été créée de contourner donc les problématiques posées par ça, ça s'appelle STUN. Donc STUN, c'est Station Traversal Utilities Format. C'est une RFC qui a une dizaine d'années maintenant, c'est la 5389, qui avait pour idée de dire, effectivement, quand on a du NAT, on peut avoir deux adresses IP qui sont identiques d'un bout à l'autre de l'Internet et qui sont cachées derrière un objet qui fait de la traduction. Et à partir de ce moment-là, il faut bien qu'on soit capable de les aider à trouver l'adresse IP publique derrière laquelle est caché l'autre objet. Donc typiquement, je reprends bien sur mon PCA et mon PCB. STUN va permettre à PCA de demander quelle est l'adresse IP publique pour laquelle on le voit. Et donc, ça lui permet, lui, pour en revenir à notre notion de SDP, d'annoncer dans le SDP, au fait, je crois que mon adresse publique, c'est ça. Et donc, c'est à cette adresse-là qu'il faut peut-être essayer de me joindre. Donc, l'idée de STUN, c'était ça, c'était d'être capable d'offrir au endpoint, donc que ce soit, d'ailleurs, ça s'utilise aussi avec SIP, hein, que ce soit WebRTC ou que ce soit SIP, de leur permettre de dire, je pense que mon adresse publique, c'est ça, et peut-être que si tu essayes de me joindre sur cette adresse-là, ça marchera. Il y a des problématiques assez évidentes avec ça, en particulier sur le fait que STUN n'est pas capable de vous dire quel port il faut utiliser. Et donc, ça fonctionne relativement bien, sauf quand ça fonctionne pas, c'est-à-dire la plupart du temps. Donc, voilà. Donc, STUN essaye de deviner l'adresse IP et le port UDP qui vont être utilisés, mais c'est de la pifométrie avancée un petit peu.
Il y a donc du coup une technologie qui a été créée, en fait, il y a une extension de Sun qui a été créée depuis, qui s'appelle Tern, donc qui est Traverfold Using Relays Around NAT, qui est resté 5766. Et l'idée de Tern, c'est d'étendre Sun, mais cette fois-ci non plus en essayant de laisser le endpoint se débrouiller tout seul, mais en disant, on va lui fournir un relais, on va lui fournir un serveur quelque part sur l'Internet ouvert qui va être capable de servir de relais entre deux éléments qui ne sont pas capables de se joindre directement. En combinant donc Stun, Turn et les modifications de SDP qui sont nécessaires pour les faire fonctionner, on arrive à quelque chose qui s'appelle ICE, Interactive Connectivity Establishment, qui est une RFC qui est beaucoup plus récente, qui date à peu près du moment où est sorti WebRTC, RFC 8445, et qui donc permet, lui, d'établir la connexion, cette fois-ci, de façon beaucoup plus sûre, beaucoup plus efficace. Et la façon dont ça fonctionne, c'est qu'en fait, le SDP n'est pas quelque chose de statique. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait vu offer et answer, je vous avais dit, sont des messages SDP, mais en fait, ce sont des messages SDP, je dirais, de départ. Donc, des messages SDP qui vont être construits avec les informations dont dispose le PC, l'ordinateur, le navigateur au moment où la session est démarrée. Mais il se trouve qu'à travers Turn, il va être capable d'obtenir d'autres informations, en particulier des informations sur un relais éventuel qui permettrait d'établir la connexion au cours de la connexion. Donc ICI va construire dynamiquement une liste de destinations possibles. Alors, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Donc ici, on voit donc qu'on a quatre lignes, donc qui sont mon SDP de départ, je dirais. Et donc, ce qui s'est passé, c'est mon ordinateur qui est visiblement situé derrière un routeur qui fait du NAT, puisque son adresse IP qui est spécifiée est 192.168.1.162, a indiqué, bon, tu peux essayer de me connecter. Alors, si vous regardez sur la gauche, il y a marqué UDP, en UDP, sur le port 35734, voir si ça fonctionne. Bon, si ça ne fonctionne pas avec IPv4, peut-être que tu peux essayer avec IPv6. Donc en dessous, il fait une offre en UDP avec une adresse IPv6 et un autre numéro de port. Et puis, bon, peut-être que ça ne fonctionne pas en UDP, peut-être qu'il faut essayer TCP. Ben, il refait la même chose, il donne un essai en TCP avec son adresse IP, un numéro de port, etc., etc. Donc voilà, donc là on a quatre offres qui par exemple fonctionneront très très bien si on a deux PC en IPv4 qui sont situés par exemple sur l'Internet ouvert, ce qui est relativement peu fréquent, ou qui sont situés, et ça c'est beaucoup plus fréquent par exemple, sur le même réseau d'entreprise, ou qui sont situés derrière le même routeur, par exemple parce que vous êtes à la maison, voilà, tous les deux sur le même réseau local. Il est évident que pour les adresses IPv6, comme il est global, il y a une bonne chance que ça puisse fonctionner pareil si les deux machines sont toutes les deux en IPv6 natif, parce que sinon il y a toujours la problématique de comment est-ce qu'on passe, on fait la traduction d'IPv4 à IPv6. Et puis bah, pareil, TCP pourra fonctionner dans certains cas où UDP est filtré. Donc déjà, rien qu'avec ces quatre premières entrées, on est capable de contourner pas mal de problèmes. Maintenant, si on rajoute Stun, cette fois-ci, on est capable, effectivement, vous voyez, l'adresse IP a changé. J'ai maintenant indiqué une adresse IP publique, 80.87.88.89, je l'ai inventé, qui donc correspond cette fois-ci aux informations que le navigateur, quand il a fait la requête auprès d'un serveur Stun, a obtenues. Donc, vous voyez, par exemple, ici, le serveur Stun a estimé que le port qui allait être utilisé était le même port que celui qui est visible en local, 35734. Et donc, à partir de là, on obtient effectivement une combinaison adresse IP et numéro de port qui, potentiellement, sont accessibles ou pas sur l'Internet public et vont permettre d'établir une connexion en UDP. Et enfin, avec Turn, là, ça change complètement puisque là, on est passé en type relais. Et ce que vous voyez, c'est que les adresses IP sont complètement différentes. Donc, on a maintenant de nouvelles adresses IP qui sont apparues, 164, 171, etc., qui sont les adresses IP d'un relais qui a dit, bah, écoutez, quand vous aurez essayé les cinq options au-dessus, si elles ne fonctionnent pas, contactez-moi et moi, je serai capable d'établir la connexion en UDP pour vous. Voilà. Le relais est aussi capable d'offrir une connexion en TCP, c'est nécessaire, mais je ne voulais pas non plus allonger les trop. Donc, voilà. Donc, ça, c'était ICE avec Turn. Et je vais peut-être vous laisser regarder un petit peu ça tranquillement. Et donc, ça, ce sont des solutions qui permettent effectivement de contourner la plupart des problèmes qu'on peut avoir aujourd'hui sur Internet en termes de bah, la connectivité, c'est que ça ne s'établit pas nécessairement très très bien entre deux hôtes qui font du WebRTC.
Le point sur lequel je vais insister, et qui est vraiment pour moi la partie la plus importante de la présentation, c'est que tout ça est très bien, mais ça veut dire qu'il faut aussi qu'il y ait, si vous voulez déployer du WebRTC de façon correcte, de l'infrastructure qui vienne avec. Et en particulier ce que j'appelle de l'ICE privé, Private ICE, et je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi. Je vais prendre des raisons de sécurité déjà pour commencer. Je ne suis pas sûr que ça va convaincre grand monde, mais on peut essayer. Dans WebRTC, le média est encrypté. Donc ça, on est d'accord, il est encrypté de bout en bout. C'est négocié automatiquement par SDP au moment d'établissement de la session. Mais un tiers qui analyserait le trafic, par exemple quelqu'un qui aurait accès au routeur de site ou à un routeur sur le chemin entre les deux machines, permet de savoir qui parle avec qui, quand, combien de temps, combien de fois, est-ce qu'ils ont fait de la vidéo, est-ce qu'ils ont fait de l'audio, etc. Donc des informations qui peuvent vous paraître anodines, mais qui en fait sont souvent celles qui sont demandées par la police quand il s'agit d'avoir des informations sur les échanges qui sont faits entre les gens. On s'intéresse pas nécessairement à savoir de ce dont parlent les gens. Ce qui est important, c'est de savoir surtout la fréquence des contacts et surtout d'établir le réseau de communication entre les gens. C'est ça qui est important. Quand j'ai travaillé aux États-Unis avec des opérateurs, qu'on avait des demandes sur comment de la part de la police, et en France aussi, en général, ils ne s'intéressent pas nécessairement au contenu des conversations. Ce qui les intéresse, c'est plutôt de savoir qui a parlé avec qui et quand. Donc des informations qui sont relativement simples à obtenir quand on est opérateur, des opérations qui sont des choses qui sont potentiellement plus difficiles avec WebRTC, mais pas impossibles. Une autre raison pour laquelle c'est important de faire des relais ICE privés, c'est aussi que ce qui était vrai il y a 5-6 ans, quand WebRTC était vraiment la technologie du moment et était en cours de déploiement, il y avait des relais publics à l'époque parce que ça permettait de tester les choses simplement. C'est plus le cas. Il n'y a plus de relais public qui permet, en particulier des relais publics donc TURN, qui permettrait de faire le relais du média de façon simple. Du coup, ma recommandation, c'est si vous allez déployer WebRTC, de penser à installer en même temps que vous faites ça une infrastructure qui va permettre de vous gérer TURN. Le meilleur logiciel aujourd'hui qui permet de faire ça s'appelle CoTURN. Il est libre, il est open source. Il est capable de faire tous les types de traductions qu'on a vues. Il sait traduire d'IPv4 en IPv4 pour faire du traversal de NAT, donc du contournement de traduction de NAT, que ce soit en UDP, en TCP. Il est capable de faire la traduction d'IPv4 en IPv6 et vice-versa. Il est capable de faire la conversion d'UDP en TCP. Donc, CoTURN est extrêmement flexible. Il est capable aussi d'authentifier les connexions au serveur. Ce qui est important, vous n'avez pas nécessairement envie que les gens utilisent vos ressources, votre relais que vous avez monté, et la bande, votre bande passante en particulier. Donc, le CoTURN gère aussi l'authentification. Il y a des API pour ça qui permettent de gérer ça de différentes façons, que ce soit à travers une base de données ou à travers de l'authentification dynamique avec. Et donc, voilà, CoTURN, bon, il y a aussi, ah oui, un truc important, il est déployable en conteneur. Moi, je l'ai utilisé à l'intérieur de Docker, ça fonctionne très, très bien. Il fonctionne aussi derrière du NAT de cloud. Ça, c'est des choses qu'on voit relativement souvent. De la même façon qu'il y a des restrictions au niveau des adresses IPv4 chez les opérateurs particuliers, les opérateurs cloud ont les mêmes problématiques et ils font du NAT aussi dans leurs infrastructures. CoTURN supporte ça. Les traductions, je vous les ai déjà données. Et puis, effectivement, l'authentification, donc je vous ai déjà donné une idée de ce qu'il était capable de faire. Voilà. Donc, pour conclure, WebRTC est une super technologie qui permet effectivement donc de faire du partage audio, de faire du partage vidéo en pair à pair, de point à point de façon sécurisée et encryptée, qui s'intègre aussi avec des technologies existantes pour tout ce qui est applications téléphonie, vidéoconférence, etc., mais qui nécessite un petit peu d'infrastructure pour être bien géré et pour pouvoir être déployé de façon sérieuse. Et du coup, maintenant, à vous pour les questions. Et on va prendre des questions du coup. Juste un peu de délai.
un petit peu de délai. Donc c'est normal que je n'ai pas encore des réponses tout de suite parce que je n'ai pas encore de questions. Ben, merci à vous d'être resté aussi et d'avoir participé. C'est très gentil. Encore attendre un petit peu si vous avez des questions qui restent. Pendant que j'ai un peu de temps, cette présentation est disponible sur GitLab, donc gitlab.com/chimaoré si vous voulez la télécharger. Ouais, une question de Cédric Dumas. J'ai manqué le début. Peut-être avez-vous donné une bonne ressource de point de départ pour mettre en place l'AFRA dont vous parliez. Alors, Cédric a une question sur comment mettre en place l'infrastructure. J'ai pas spécialement de ressources particulières. Je pense que Couture est relativement simple à mettre en œuvre. Il faut regarder sur leur GitHub. C'est relativement simple à mettre en œuvre. Avec un Docker de 4 lignes, on arrive assez facilement à ça. Si vous êtes intéressé, ce que je peux faire, c'est peut-être partager des configurations, mais bon, si vous prenez les configurations par défaut qui sont fournies avec le logiciel, en général, c'est assez simple à faire. Sur gitlab.com, c'est gitlab.com/chimaoré et après c'est 2020 Zenica WebRTC. Qui doit être public, je peux vérifier. Oui, il est bien public. La présentation est disponible sur GitLab. Bon, merci beaucoup d'avoir participé. Merci pour vos questions et à très bientôt, j'espère. Et de nouveau, merci Anthony d'avoir fait l'introduction. Merci à Johan d'avoir fait la régie et à très bientôt. Merci, bonne soirée.